Il a fallu de longs mois de préparation pour un concert historique. Au final, Mama a fait fort le 2 novembre dernier à Paris. Pour son premier live au Zénith, Patience Dabani a mis les bouchées doubles pour montrer la vivacité de son art. Dans cette mythique salle, la culture gabonaise a été revisitée sous toutes ses formes. Mama Patience a émerveillé le nombreux public venu de toutes les régions de France et d'Europe. En première partie, plusieurs groupes, toutes générations confondues, se sont succédés sur scène, chacun faisant montre d'une parfaite maîtrise de son art. Comme tous les noms des blancs, Vincent de la Guêpe, Michel de la Mer Noire. Quand il est arrivé, il a dit « Écoutez, je vais appeler pays par pays ». Celle que le peuple gabonais appelle affectueusement Maman a ensuite pris possession de la scène pour délivrer un live digne de ses longues années d'expérience dans la musique. Plusieurs chansons de son nouveau répertoire ont été servies, avec la participation remarquée de Jesse Matador et Jacob Devarrier. Patience, c'est notre maman à tous. Et voilà, avec son premier concert, on devait être là pour se tenir, tu vois. C'est un concert qui est parti dans l'histoire. Et je suis content de pouvoir participer à l'histoire, là, tu vois. Ben, je suis venu en tant que voisin. Et puis aussi parce que je participe à ses disques et qu'elle fait une musique qui est intéressante. Donc, il fallait que je sois là, quoi. L'ambassadeur du Gabon en France, son Excellence Germain Ngoyo Moussavou, et Manu Dibango avait aussi fait le déplacement au Zénith. La Mama nous a administré la preuve ce soir qu'elle est, n'est-ce pas, au fait, à l'apogée de son art, n'est-ce pas, et qu'elle est la digne héritière, n'est-ce pas, de ses sœurs de la musique africaine qui l'ont précédée. Elle travaille dur et puis il y a très peu d'Africains qui passent au Zénith. C'est très difficile pour les Africains en fait. Donc, j'espère qu'elle ouvre le chemin pour d'autres, quoi. Je voulais voir le spectacle de l'autre côté parce que nous, on a l'habitude de jouer ici. Mais on est pratiquement les seuls à le faire. Donc c'est bien qu'elle vienne et que voilà, la maman, qu'elle soit la maman des autres, quoi. Avec son super show, la maman espère ainsi ouvrir la vague des grands concerts de stars africaines dans cette emblématique salle du Zénith.